Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo Français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des scènes de course à pied de Tom Cruise, classées par vitesse. Pour cette liste, on va examiner les sprints caractéristiques de l'acteur sur l'ensemble de sa filmographie. Nous prenons en compte la vitesse, l'intensité et le caractère emblématique de la scène. Si Tom Cruise a couru dans un film, même s'il ne s'agit pas d'un film d'action, c'est pris en compte dans cette liste. Gardez à l'esprit qu'il y aura sans doute quelques spoilers. Est-ce qu'on a oublié l'un de vos films préférés de Tom Cruise? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, poursuite sur les toits, Mission Impossible Fallout. I am terribly sorry. Excuse me. C'est du déjà vu. Ethan Hunt, l'agent joué par Tom Cruise, doit sauver le monde en courant et en courant encore. Why is he running in circles? Dans un film rempli des cascades les plus mortelles de Cruise, cette scène de course résume la puissance et la détermination de l'acteur. Ethan, he's getting away from you. You're gonna have to go faster. Il poursuit l'agent double Walker, joué par Henry Cavill, à travers Londres. Après avoir fait des bonds incroyables et sauté par une fenêtre, il lui reste une seule chose à faire. Avec ses dernières forces, Ethan court sur un toit extra long. Aussi impressionnante soit-elle, cette course mène Ethan dans une impasse et Walker prend le dessus. Après tout, fallait s'y attendre en s'en prenant à Superman. Numéro 9, la fuite, la firme. Hello. Get out of here. They know. Get out. Basé sur le roman de John Grisham, la firme met en scène Tom Cruise dans le rôle de Mitch, un diplômé en droit qui passe la première moitié du film à apprendre que son cabinet d'avocat est corrompu. Il est donc logique qu'il passe la dernière partie du film à fuir pour sauver sa peau. Coincé au bureau, Mitch reçoit un appel téléphonique de dernière minute lui annonçant qu'il va être attrapé. Mitch se précipite alors hors de la pièce. Lorsqu'il atteint une fenêtre, il découvre un camion qui sert de zone d'atterrissage improvisée en contrebas. Après avoir sauté du camion, Mitch se précipite dans l'allée avant que ses poursuivants ne l'attrapent. Ouais, c'est pas une fenêtre de rien du tout qui peut arrêter Tom Cruise. Numéro 8, à la poursuite de Max, Collatéral. Ce film est le premier à nous présenter Cruise en tant que méchant. Il y joue un tueur à gages vraiment sinistre du nom de Vincent. You killed him? No, I shot him. Bullets in the fall killed him. Red light, Max. Après avoir forcé Max, le chauffeur de taxi joué par Jamie Foxx, à le conduire à ses cibles, Vincent lui permet de rendre visite à sa mère à l'hôpital. Lorsque Max a l'occasion de s'enfuir, il n'attend pas une seconde. Ça met la machine à tuer qu'est Vincent en mode bestial. Il sprint à travers l'hôpital, descend des escaliers et traverse des ponts. Même avec une longueur d'avance, Max ne peut pas échapper à l'énergie du tueur à gages. Vous pouvez essayer de courir, mais Tom Cruise finira toujours par vous rattraper. Numéro 7, course effrénée, Vanilla Sky. Après le succès de Jerry Maguire, Cruise a retrouvé le réalisateur Cameron Crowe pour un remake du film espagnol Ouvre les yeux. Even in my dreams, I'm an idiot who knows he's about to wake up to reality. Ce film trippant mêle science-fiction onirique et drame romantique. Au cours d'un rêve, David, le protagoniste égocentrique joué par Cruise, se rend au centre de Times Square. Il découvre qu'il n'y a personne d'autre à New York. Après être sorti de la voiture, David court dans les rues vides, dans un état de frénésie totale. La scène se déroulant comme un cauchemar, Cruise revient à son instinct naturel, la course, qui est ici confuse et sans aucune direction, ce qui a fait de Vanilla Sky une entrée unique dans cette liste. En outre, c'est peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, la course la plus rapide que quelqu'un ait jamais faite en par-dessus. Numéro 6, courir dans la neige, horizon lointain. Who's there? Même dans un film d'époque, Cruise trouve le temps de s'adonner à son activité favorite. Il y incarne Joseph, un immigrant irlandais désespéré. Lorsque sa partenaire de voyage Shannon et lui s'introduisent dans une maison, Shannon se fait tirer dessus. Pendant qu'elle se rétablit, Joseph doit la laisser derrière lui pour trouver du travail.
Dans la nuit, Joseph quitte Shannon pour poursuivre sa vie dans l'Ouest. Il sort par un temps glacial, déterminé à retrouver son amour d'une manière ou d'une autre. Non seulement il court à toute allure dans une scène chargée d'émotions, mais il le fait sous une forte chute de neige. Rien n'arrête Cruz, pas même les précipitations. Et non, vous ne le verrez pas glisser et tomber. Numéro 5, échapper à la momie, la momie. Même si ce film n'a pas été un grand succès, il contient une autre course typique de Cruz. Une fois que la méchante s'est échappée, Nick et Jenny, l'acolyte de Cruz, doivent fuir la zone aussi vite que possible. Le pouvoir de la momie détruit toutes les vitres et fenêtres autour d'eux, ce qui rend la course particulièrement dangereuse. Après avoir échappé à une tempête de sable, Nick s'enfonce dans les rues de Londres pour éviter le raz-de-marée d'énergie. Même si ce film surnaturel a raté sa cible, Cruz a tout de même livré une performance divertissante. Comme Cruz n'est pas seul, il n'est pas tout à fait autorisé à devenir supersonique. En fin de compte, il se contente d'un rythme qui se situe juste en dessous du mur du son. Wow, that was intense. Numéro 4, arrêter un pré-crime Minority Report. Dans ce thriller totalement hallucinant, John Anderton, incarné par Tom Cruise, prévient les crimes avant même qu'ils ne se produisent. It's a park. Alors qu'il présente sa technologie au ministère de la Justice, Anderton se précipite sur un crime en cours. Après avoir localisé le quartier, il repère la maison grâce à la porte d'entrée ouverte. Negative. The front door is open. The front door is open. Anderton court aussi vite que possible dans la maison. Une fois qu'il s'est précipité dans les escaliers, il sauve la situation à la toute dernière seconde. You know how blind I am without them. Non seulement cette course fonctionne bien dans le contexte de l'intrigue, mais elle révèle le caractère d'Anderton et sa quête incessante de justice. A noter que la course a été si rapide que son casque n'a pas supporté la force des gravités. Numéro 3, esquiver les tripodes, la guerre des mondes. En 2005, Steven Spielberg a choisi Tom Cruise pour jouer Ray dans une version actualisée du roman de H.G. Wells. Ce classique de la science-fiction offre des moments incroyablement intenses et palpitants. Prenons l'inoubliable première scène avec les extraterrestres dans les sous-sols où Cruise démontre son agilité. Mais c'est lorsque Cruise rencontre les extraterrestres lors de leur première apparition en ville qu'ils nous offrent une course à la hauteur. Je pense que vous aussi vous prendriez vos jambes à vos coups si vous croisiez des tripodes vaporisant les gens. Ray descend la rue à toute allure, tandis que les gens se transforment en poussière autour de lui. Si l'on considère que Ray n'est pas un agent secret, c'est plutôt logique qu'il ne soit pas l'homme le plus rapide du monde. C'est une course plus brutale, mais imprégnée d'une terreur crédible grâce à Cruz et aux effets spéciaux d'un autre monde. Numéro 2, poursuite dans la tempête de sable, Mission Impossible, Protocole Fantôme. Avant sa sortie en 2011, personne ne pensait que le quatrième Mission Impossible serait aussi universellement acclamé. Where's Ethan? Avec Tom Cruise escaladant le Burj Khalifa, Protocole Fantôme met en scène la franchise dans toute sa splendeur. Après l'ascension de la tour légendaire, Ethan se retrouve à courir après le méchant. Même lorsqu'une tempête de sable s'abat sur lui, Ethan reste concentré et rapide. Une fois englouti dans le sable, il continue d'avancer. Il ne se laisse même pas arrêter par une voiture en marche. Bien sûr, il s'arrête quelques fois en cours de route, mais sa foulée initiale est la personnification de la course à pied de Tom Cruise. «
on arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, trouver Julia, Mission Impossible 3. Éclipsé par des films plus récents, le troisième Mission Impossible regorge de scènes étonnamment divertissantes. La meilleure séquence est sans doute celle qui montre la course la plus rapide et la plus mémorable de toute la carrière de Cruise. What the hell are you doing in Shanghai? I'll tell you when I see you. Il n'a jamais couru avec autant d'énergie, d'émotion et de dynamisme. Dans cette scène, l'agent Ethan Hunt retrouve sa femme Julia qui a été kidnappée. Une fois qu'Ethan a localisé l'endroit où elle se trouve, il se rend compte qu'il doit sprinter le long d'une promenade au bord d'une rivière, au milieu d'une foule de gens. La caméra suit Cruise en un seul plan continu. Compte tenu des circonstances, il est plutôt normal qu'il sprinte deux fois plus vite pour la femme qu'il aime. Cette course l'emporte sur les autres en tant que démonstration ultime des capacités athlétiques de Tom Cruise, à pleine vitesse et sans relâche. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.